Oh là, les muchachos, c'est Inubiu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un match de l'Ultime Queso. Et aujourd'hui, on est contre Lucas. Oui, je sais toujours pas combien on est de match. Hein. Ça. Faut s'habituer au bout d'un moment. Hein. Les 5 premiers, éventuellement, je sais, mais après, on. Et on commence avec un Pokémon que j'aime bien. Oui? Bonjour, le traumatisme de Cœur d'Or et de Or tout court. Des connards. Merde. Ah là là, je fais roulette sur ton horizon. Ah là 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 là, c'est super efficace. Ah là là. Salope. En plus, elle chiale après quand on lui. Ah, m'énerve. Elle m'énerve. Ah, blanche là. Nyeh. À peine blanche, les gars. Bref. Pardon. Pardon. Je sais pas, je suis bloqué sur Blanche et son écho, mais là, bref. Du coup, est-ce que tu peux crever, s'il te plaît? Ok, ne va pas foutre. En plus, qu'est-ce que brut et tout? Qu'est-ce que brut? Ah putain, non, c'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse, elle boit son propre lait, c'est crémeux quoi, c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse. Vas-y, dégueulasse, vas-y, dégage. Vas-y, moi je te casse la tête avec des doubles coups, ouais. Ouais, en tout cas. Et bim! Et double bim, et double bim, et double bim! Mais putain de merde. Je peux plus! Je peux plus! Voilà, je peux plus! Je t'emmerde, espèce d'écrome de merde. Bon, bah, t'es team normal, et ben voilà, je vais appeler Mrs. Pringles, et puis voilà. Je me ferai pas chier longtemps. Ah là là, je dis attaque normale, ah là là. Ah là là. Forcément, elle a à boire, hein. Forcément, elle croit que j'allais attaquer encore. Hein. Nye, vous cruche, nye. Vas-y. Vas-y, fais follet, yeah. Ton boost, ça marchera pas. Quoi? Oh non, mais ça fait. Putain, ça fait comme le. Ah, comme cœur d'or. Fantomineuse. Prout, je crois que tu t'appelais Prout. Je te vengerai. Je te vengerai, Miss Springles. Et pourquoi t'as pas fait Foufoulet? Pourquoi? Pourquoi? Vas-y, plaquage maintenant, quoi. Bordel. Ah bah oui, bah forcément, ça marche. Mais putain, tu joues en mode... Les écrobements font chier, mais partout, quoi. C'est dingue. Allez. Allez, tu résistes, allez. De toute façon, 4 PV, tu résistes. Hein allez, tu résistes. Allez, allez, allez. Bah bien sûr que non. Mais évidemment. Bah oui. Forcément, connasserie va. je rigole, hein. Je ne hais pas les chromeux, hein. C'est juste un jeu entre nous, tu vois. Même si j'aime bien lui m'arriver la gueule, donne-moi cette tête de vache là. Ah, tu me dis coup de vache. Ah. Bref, prends ça ou ta gueule. Si t'es physique, au moins t'es pas défense spéciale. Ah putain, je suis sûr qu'il va me tuer avec. Ah! Bordel, presque quoi! Pute! Pute vengeresse! Ah, tout ce que j'ai à dire! Au coup, j'étais compromis. À part si t'as vu ma attaque, mais. Elle apporte pas même attaque! Elle est trop lourde! À la guerre, ça apprend roulette cette merde, mais c'est tout quoi! Moi aussi, ça va. Pelouse. Ah ouais. Encore un Pokémon que j'aime bien, et donc. Saloperie. Lance-flamme dégueulasse, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas joué de Pokémon. Hein. Du PV. Du PV, ça a rien de resté. Oh, tu brûles. Oh. Pauvre petite. Oh, pouvoir lunaire! Attends, j'ai oublié ça. J'étais tellement content de brûler que voilà. Bah. Ah. Je frémis si. Franchement, pelouse, fais-moi plaisir. Refais un pouvoir lunaire. Je te laisse le faire. Non, je déconne de faire foutre. Saloperie! Bref. Fistman, oh yeah. Je vais pas te laisser faire, hein. C'est pas grave pour Lina. J'ai bien dans ta gueule, vas-y.
Eh ben, c'était Vaza. Pepe, pipa, pourri. Puis, au revoir, pelouse. On t'aimait bien, pas. Mirageux. Non, sans déconner, quoi. Sans déconner, il a fait, quoi. En fait, j'ai compris. Cette équipe, en fait, c'est l'équipe anti-moi, quoi. Écremeux, Florge, Pyrax, c'est anti-moi, quoi. C'est tout ce que je déteste dans une Pokémon. Faudrait presque faire une team entièrement plante pour que je la déteste encore plus, tu vois. Tu vois. Et là, tu vois déjà, Pyrax, là, je t'aime bien parce que t'es mort, voilà. Mais après, voilà, c'est tout. Saloperie, là. Braguette. Oui, forcément, oui, bah, je l'aurais appelé Braguette aussi, voilà. Parce que quand même, méga évolution, méga Braguette. Je veux dire, niveau classe, ça se met là, quand même. Et ça se met là, vous voyez pas juste ce que je fais, mais ça se met là, très haut. Mais oui. Mais oui, c'est sûr. Mais oui, c'est clair, tu vois. Méga Braguette. Et c'est super classe. Et mais oui. Bref. Je vais arrêter avec ça. Bon, acrobatie avec les avec Fofolet, ça sert à rien, en ce moment, voilà. Sabotage. Ah. Ah. Je pense... C'est mettre Dracolos, mais en même temps, non, je vais plutôt mettre Plante Épaisse. Hein, voilà, hein. Pourquoi? Parce que sabotage. Sabotage, ça enlève l'objet qu'il y a sur lui. Sauf que ça enlève pas les méga gemmes. Et que de toute façon, je vais méga évoluer, donc, autant que tu l'as. Donc voilà. Voilà, méga évolution, méga Florizard contre méga Baguette. Papi, papu, lapis. Fais follet. J'en fais rien à secouer. Un à secouer. Vampire graine de la vengeresse. De la merde, un truc de dingue, quoi. Bref, bon, bonjour. Je m'appelle Nubio. Je dis de la merde. Bonjour. 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 Bref. Écosphère. Dans ta gueule, Écosphère. Dans ta gueule d'écosphère. Et bim. Oh, pas encore mort. Sérieusement. Ça sert à rien de faire sabotage. C'est peut-être ta meilleure attaque, mais c'est que dalle. Je m'en fous. Totalement. Voilà. Dans ta gueule. J'ai oublié les vampigraines. Heureusement que je les ai mis, hein. Ça oui. Bon. Pipa les papu. Ça, si c'est pas en rythme dans le montage de fin, c'est mauvais. C'est mauvais. Oh, pelouse. Bomber dans ta gale. Est-ce que tu n'aimes pas le poison? Ah, ça, non? Et arc-bim! Ah, zut. Il fait un réveil, il va avoir abri après, je suppose. Je suppose, après, je sais pas, mais. Normalement, ça reste logique. Tu es de brûler, quoi. Vas-y, pour synthèse. Vas-y, synthèse. Il fait pas abri. Merde. Fais chier. De toute façon, t'auras brûlé. Ou pas. Pouvoir lunaire. Bon, je le calme tu vois dessus quand même. Trop aiguë des fois, trop aiguë. Bah du coup tu te régènes d'abord. Fuck. Fécouze, comme diraient les personnes en fait. Personne qui dit ça. Bon, bah tu vas crever pour les mains, s'il te plaît, hein. Parce que les pelouses, hein, je pisse dedans, hein, si tu me permets, hein, voilà. Vampigraine, voilà. Vampigraine plus feu follet, je voudrais bien faire. Même si tu fais vœu, au bout d'un moment, tu crèveras. Pouvoir lunaire. Voilà. Je l'ai fait un peu en retard, celui-là. Mais je l'ai fait. Les restes, mais non, il y a d'abord les vampigraines. Puis après, le feu qui te ronge, les ors. Même si t'es une plante et que t'as pas à l'eau, quoi, mais c'est... Façon de dire, quoi.
Pipalipa, pipafu. Mon beurre, le sous-bout de mon voilà, hein. Bon beurre dans ta rhum, lolol. Allez, plus qu'un Pokémon, allez. Je sais pas lequel en plus, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus son équipe en fait, c'est con. Vas-y, envoie ton dernier Pokémon, vas-y. Moi, je martyrise. Bosch. Bosch. Ah, c'est mauvais, j'adore. C'est très mauvais, mais j'adore. Alors, Vampigraine, parce que je suis sûr que tu as duré longtemps. Attends, t'as dernier Pokémon. Il est au canon. Ah, ça fait mal ça, non? Pas assez. Ça, c'est bien. T'as une boue noire sur toi? C'est complètement con. Pourquoi t'as une boue noire? Moi ça m'arrange, hein. Moi, de toute façon, de base, voilà. Hein. Voilà. Puis je vais me soigner parce que voilà. Hein. On a tout le temps, hein, maintenant que t'es là. N'est-ce pas? Piperipal, changer clair. Tu vas changer rien, wesh. Et bim! Quoi, il revient? Il y en a encore un? C'est qui? El Diablo? Non! En plus, je suis fanatique! Bravo! Bravo! T'applaudis! Je t'applaudis! Je m'incline devant! Putain, quelqu'un l'a fait! Je l'ai mis dans les règles que génétique était interdit sauf pour Castorno. Et il l'a fait. Je t'aime, voilà. Je te aime, voilà. Je t'ai dit, voilà. Ah mon dieu, c'est beau. Ah, c'est de toute beauté. Bon, par contre, je suis dans la merde, hein. Voilà, attaque, défense, voilà, forcément, hein. Évidemment, voilà. De toute façon, t'es mort, Florizarre, là, hein, voilà, même s'il fait cascade. Bon, je suppose un peu qu'il est vachement vitesse, quand même. Au bout d'un moment. Mais bon. Tu l'as fait, quoi. Nom de Zeus. Vas-y, Little Mac, de toute façon, il est normal haut, donc son, voilà, au bout d'un moment, voilà, hein. Même s'il est très rapide, tu étais encore plus, quoi. Vas-y, close combat, confier ce combat. Non, plus rapide, sérieusement. Oh nom de Dieu. Ah, je t'aime. Franchement, me faire exploser par le gaz sonoluétique. Mais j'en ai rien secoué. Je suis même heureux que ça se fasse. J'ai fait je sais pas combien de vidéos sur YouTube pour me trouver face à ça. Et ça, c'est beau. Ça, c'est la beauté extrême. Ça c'est magnifique. Sur une autre chaîne YouTube, tu ne retrouveras jamais ça. Jamais. Qui se fera défoncer le cul par un gâteau non lunatique? Personne. Personne osera montrer ça. C'est trop honteux. Surtout, du coup, moi, j'avais casé 5 Pokémon. Hein. Moi, j'ai oublié combien de 6e Pokémon. Hein. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Plus El Diablo, quoi, enfin... Il y a tout pour me plaire ce Pokémon quoi. Regarde-moi ce visage expressif. Allez, bim. Là, il a Mouchoir-Choix, c'est obligé. Mouchoir-Choix qui augmente sa vitesse de 50%, mais qui l'oblige à utiliser une attaque. Hein. Au bout d'un moment, c'est obligé. C'est con, t'aurais pu faire une attaque physique, pas une attaque normale. Qui du coup m'a mis plus en danger qu'autre chose. Mais bon. Je pense qu'il a voulu plus mettre un attaque haut, qu'il y a où j'avais un spectre ou je sais pas quoi. Non, franchement, bien joué, bien joué. Voilà. Hein. Je suis mort, c'est ça? Même pas! Oh yeah! Bon, par contre, toi, t'es mort, hein. Je veux dire, voilà, quoi, au bout d'un moment, voilà. Hein. Voilà! Oh, c'était beau! Oh, c'était de toute beauté.
Ah, j'ai apprécié ce combat. Oh, ça, oui. Bref, après comptage des KO, même si Dracolos et Florizarre ont 2 KO chacun, Kerstorno a aussi 2 KO. Et je veux que El Diablo soit héros du match. J'en ai rien à péter, c'est lui le héros du match. Je m'y attendais même pas. Mais même pas en rêve. Je l'ai même pas vu en début de combat, je l'ai même pas vu, j'ai vu nulle part, là. Alors là, bravo. Bravo Arthur. Je m'incline devant toi, Arthur. Oh oui, Arthur de Bretagne. Non, je déconne, j'entends rien. Bref, du coup, donc le héros du match, ce sera, et ce sera toujours dans mon cœur, Kerstorno, Bidouf. C'est bon, toi. Voilà. C'était. J'espère que ce combat vous aura plu. La semaine prochaine, je fais une petite pause du Final Queso. Pourquoi? Parce que ça prend trop de temps à monter et du coup, j'ai pas le temps de faire autre chose. Du coup, il faut que je fasse la chronique au bout d'un an. Faut que je la fasse. Donc, du coup, je laisse le week-end prochain pour faire. Parce qu'il me faut ce week-end au bout d'un an. Donc, du coup, on se retrouve donc la semaine. Dans 2 semaines. Pour un nouveau défi. De l'été Picasso, si ça protège bien, et donc dans 2 semaines. Et aussi demain il y a un nouvel Let's Play aussi qui commence sur la chaîne. Qui n'a rien à voir avec Pokémon, mais je suis sûr que ça va être drôle. On suis sûr et certain. Bref, à la prochaine. Et n'oubliez pas de partager les vidéos aussi. N'oubliez pas de partager. Je la refais avec une voix mieux. Partagez cette vidéo. Je veux que vous la partagiez. Me faire défoncer par un bidouf, c'est tout ce que je veux sur YouTube. C'est beau. C'est beau, c'est très beau, je veux, voilà. Partagez-la, c'est ça un ordre, je m'en fous.